Bonjour à tous. On commencera cette formation aujourd'hui. Je vais appeler Monsieur Safi pour inaugurer la deuxième séance. Merci, Monsieur Keba. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, soyez la bienvenue. C'est la deuxième journée de notre formation. J'ai le plaisir d'accueillir nos formateurs d'aujourd'hui, Dr. Aparna Roy, chef du département des langues étrangères, Loyola College Chennai. Elle va présenter les activités ludiques en classe du FLE. Et également, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Maria Priya et professeur Isaac. Ils vont présenter sur les outils numériques pour enseigner le français. Le Gulf French Teacher Forum a le but pour aider tous les enseignants comme nous, travaillant dans les écoles indiennes, suivant CBSE, pour améliorer le niveau d'enseignement et aussi le niveau d'apprentissage de nos élèves. Donc, on a commencé avec beaucoup d'activités depuis le mois de mai, avec le soutien de l'école Ambassador School Sharjah, UAE. Je dois remercier le proviseur, M. Aru Geredi. Et aussi, on a organisé un grand quiz où on avait plus que 700 élèves. C'était en partenariat avec le DPS School Kuwait. Donc voilà, on est dans notre troisième grand projet avec Ambassador School et le Loyola College Chennai. Voilà, profitez bien de la formation d'aujourd'hui. Merci, bon courage et bonne soirée. Ok, Monsieur Keba, c'est à vous maintenant. Merci, monsieur. Alors, on commence aujourd'hui. Avec la science. Madame Aparna. Bonjour Keba, bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour. Ok, bonjour cher professeur, vous m'entendez? Keba, vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Ça fait vraiment un grand plaisir d'être parmi vous pour la deuxième séance de la formation professorale. J'ai avec moi mes deux collègues, professeur Maria Priya et professeur Isaac Francis, qui vont animer les séances qui suivent. Je remercie vivement M. Aru Geredi, le directeur de l'école, ambassadeur Sharjah, et professeur Keba, professeur de français d'ambassadeur et Gulf Teachers Forum, d'avoir nous donné cette opportunité de partager nos expériences avec vous. Alors, comme le titre de ma présentation indique, on est ici pour jouer, on n'est pas ici pour apprendre, mais on est ici pour jouer. Alors, vous avez la définition pour ma titre, pardon, le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est les activités ludiques en classe de FLE. Alors, on va voir surtout les activités pour les étudiants de niveau A1, A1 jusqu'à B1, on peut dire. Alors, voilà les définitions que j'ai trouvées dans le dictionnaire Larousse. Alors, j'ai souligné les mots qu'on va utiliser maintenant. Alors, selon la définition Larousse, on a une activité d'ordre physique ou mental non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire. Et c'est clair maintenant? Oui. Oui, c'est clair. Okay. Oui, okay. Oui, continue. D'accord. Ok, je peux continuer alors. Alors, on a deux définitions que j'ai trouvées. Qu'est-ce qu'une activité ludique? Alors, j'ai déjà souligné les mots qu'on va utiliser maintenant pour cette séance. Alors, qu'est-ce qu'une activité ludique? C'est pour faire plaisir, participer à un jeu. Déjà, activité ludique, ça veut dire jeu. Et selon le dictionnaire didactique du français langue étrangère et seconde, le jeu en didactique des langues
C'est un événement de communicatif interactif à deux ou plusieurs participants pour développer une compétence. Alors, les mots clés pour nous, c'est plaisir, participer à un jeu, communication interactive, développer une compétence. C'est pourquoi on a des activités ludiques dans un cours de FLE. D'accord? Et pourquoi le jeu ludique en classe de FLE? On a beaucoup les leçons à préparer. Pourquoi les jeux ludiques? Est-ce qu'on a le temps de jouer vraiment dans les classes de FLE? Les profs, il y a beaucoup de questions, je sais, on a les examens, on a beaucoup à préparer, mais pourquoi le jeu ludique en classe de FLE? Alors, ce sont les raisons. C'est un bon vecteur de communication et pour acquérir des compétences et pour motiver les apprenants. Nous, on sait, nos apprenants, ils manquent de la motivation. Et puis, on a la liberté d'expression. Les étudiants, on encourage les étudiants de s'exprimer en français et travailler en équipe. Team spirit, c'est important. Hein. Participation spontanée, parce qu'on on le demande, la phrase vient tout de suite. Alors, c'est participation spontanée. Et puis, exploration et découverte d'un étudiant. Hier, quelqu'un a demandé à Madame Adeline sur le chat box, mes étudiants sont très timides, mais comment je fais leur exprimer, je peux faire leur exprimer mes étudiants. Voilà, c'est avec les jeux ludiques, on peut vraiment explorer, découvrir l'étudiant. Et puis, le développement de l'imagination et de l'esprit créatif des étudiants et socialisation, oui, et briser la glace entre l'enseignant et les étudiants. Alors, nous, on est quand on joue avec nos étudiants, vraiment, ça brise la glace entre le maître et les étudiants. Alors, bon, ce sont mes raisons, mais vous pouvez garder les autres raisons aussi. Hein. Les activités ludiques pour favoriser l'expression orale et écrite, on va vraiment jouer avec les mots. On a vraiment, j'ai des activités que je voudrais faire avec vous et on va jouer avec les mots maintenant, d'accord? Ok. Moi, je commence, qu'est-ce que le rôle de l'enseignant? Le rôle de l'enseignant est de mettre en place des stratégies pour augmenter la motivation des apprenants. Elle permet d'établir une bonne ambiance dans la classe et d'introduire le goût pour l'apprentissage de la langue étrangère. Ça, c'est le rôle de l'enseignant dans une classe de FLE. Plus récemment, en 2001, le CECRL a publié un document intitulé intitulé Cadre européen commun de référence pour les langues, qui propose de nouvelles pistes pour une évolution et un encadrement des pratiques et des méthodologies dans l'enseignement des langues étrangères. Parmi ces propositions, le cadre se questionne sur l'approche à adopter quant à l'utilisation des langues médiatrices en cours de langue étrangère, évidemment transposable à la classe de FLE. Alors, quelle langue médiatrice on peut utiliser dans une classe de langue étrangère? Bien sûr, l'anglais, parce que c'est une langue mondialement parlée. L'anglais se sert comme une langue médiatrice, surtout au niveau débutant. Alors, il y a des profs qui m'ont demandé pourquoi l'anglais, parce que ça rassure les étudiants. D'accord? Il y a des profs qui ont clairement la consigne de toujours faire leur cours en français uniquement. Oui, je sais, parce que les institutions exigent les professeurs de faire uniquement les cours en français. Je ne nie pas les atouts d'enseigner seulement en français, mais pour les débutants, surtout les étudiants qui n'ont pas assez de vocabulaire, cela peut être un générateur de stress, un blocage de s'exprimer si on fait les cours uniquement en français. Alors, moi, je commence toujours avec les mots.
qu'ils connaissent déjà. Les activités que je propose sont les activités que j'utilise le plus souvent dans ma classe de débutants. Ils sont faciles à mettre en place en classe de FLE et ne requièrent souvent que de la bonne humeur. Ces activités peuvent être employées avec des groupes d'âge et des niveaux divers. Et vous pouvez s'adapter selon vos besoins. Je commence souvent mes cours débutants disant qu'ils savent déjà 1000 mots en français. Ils ne me croient pas hein, quand je dis ça, mais je leur demande de faire une liste des mots qui terminent par ION. Alors, demandez aux étudiants de donner des mots par ION. Vous pouvez écrire sur le chat box, s'il vous plaît. Les mots qui terminent par ION. Que vous... Pardon. Est-ce que vous... Oui. Est-ce que vous voyez les réponses, Aparna? Non, pas encore. Non. Il y a plusieurs réponses. Population, nation, profession, citation, pollution, situation, salutation, attention, participation. Il y a beaucoup. Merci, merci. Merci, Maria. Merci, professeur. Moi, j'ai... Pardon. Il y a quelqu'un qui parle? Non, madame. Ah. Comment c'est, madame? Moi, j'ai des mots, j'ai quelques mots ici. Ce sont les mots que tout le monde connaît, les étudiants bien sûr. Les mots comme information, attention, communication, transformation, justification, action, télévision, compétition, connexion. Alors, c'est toujours pareil en anglais. Alors, quand les étudiants donnent des mots comme information, attention, vous pouvez juste leur dire, c'est pareil, les mots existent en français et juste la prononciation se diffère, d'accord? Et vous pouvez leur demander les mots qui terminent par BLE. Allez-y. Trouvez les mots qui ne sont pas dans la présentation. Vous voyez les réponses, Aparna? Non, non, non. Je lis? Oui. Et portable, câble, sable, insupportable, incroyable, diable, capable, véritable, disponible. Très bien. Étable, ensemble, croyable, oui. Il va nous dire. Oui, on va... Oh, merci, Durga. Merci. On va toujours prendre les mots qui sont... ce qui existe en français et en anglais, comme j'ai listé ici, table, confortable, visible, adorable, stable, audible, accessible. Alors, on a table, comfortable, visible, adorable, stable, audible, accessible, etc. Alors, c'est facile de faire une référence avec l'anglais. Alors, on va dire que ça progresse le cours. Quand on donne les mots comme ça, ça progresse les cours.
À vous maintenant, pensez les mots qui terminent par E-N-C-E, âge, natural. Alors, allez-y. J'avais des réponses à Bernard. Oui. Culture, dommage, clôture, nourriture, cheval, festival, partage, peinture, courage, usage, amical, nourriture, écriture. Merci, Duda. Merci. Merci, professeur. Alors, je pense que je n'ai pas exagéré quand j'ai dit que les étudiants, ils savent 1000 mots avant de commencer les cours de français, oui. Si on compte tous les mots qu'on connaît déjà, nous, c'est une surprise pour nous, nous-mêmes, parce qu'on on savent beaucoup de mots en anglais et en français. Alors, ensuite... Oui, et puis les mots qu'on connaît, on sait sur la cuisine. Alors, on a beaucoup de mots. On a menu, on a à la carte, restaurant, hôtel, buffet, café, soupe, salade, omelette, restaurant, chef, pique-nique, bon appétit, cuisine, mousse, mayonnaise, etc. Alors, à vous maintenant de jouer, trouver c'est quoi? Maintenant, je lis les réponses encore. Okay. Vas-y. Vas-y. Ok. Parfum, hors d'ouvre, cuisiner. Parfum plusieurs fois, entrée, salade, dessert, repas, menu. Si. Et. Avu, carte, café, route, dessert, boisson, potage, viande, recette, vin, fromage, le repas familial, boisson. Merci, merci. Alors, trouvez ces mots maintenant, trouvez ces mots. Ça existe en anglais et en français. Allez-y, ce sont des mots français. Chauffeur, buffet, salade, dessert, dîner, ballet, bouquet, chocolat, café, parfum. Ça, parfum, c'est, oui, c'est eau de Cologne, parfum, oui. Omelette. Ça, c'est mirage, mirage. Mirage, d'accord, ok, merci, merci professeur. Maintenant, les faux amis. On va trouver les faux amis, c'est moi, je pense que, pardon. Oui, c'est un des moyens de faire apprendre vos étudiants les lexiques, c'est les faux amis. C'est très facile, vous pouvez leur donner l'image et puis vous pouvez leur demander de faire de deviner c'est quoi ces mots. Alors on a par exemple alors vous avez basket et basket en pardon. Et
Après, on va leur faire, on va expliquer la différence et puis on va leur demander de faire une phrase avec ces mots qu'ils ont trouvés en français. Par exemple, vous pouvez leur demander de faire une phrase avec une lecture. J'aime la lecture. Quelle est la différence entre l'anglais et lecture en anglais et lecture en français? Et puis pain. En anglais et en français, vous pouvez leur demander de faire la différence et puis demander leur de faire une phrase en anglais et en français. Maintenant, on a les anagrammes. C'est quoi les anagrammes? Anagramme vient du mot grec. Ana, ça veut dire en arrière et gramma, ça veut dire lettre. Alors, on va changer, il y a un mot formé et puis on va changer de place les lettres d'un mot à un autre mot, d'accord? Poser des devinettes sur le mot, par exemple, ami, et puis il faut donner des indices. Quel indice pour ami? Mois de l'année. Mois de l'année, il faut juste changer la place des lettres et puis on arrive sur le mot mai, d'accord? Alors, maintenant, c'est à vous de trouver c'est qui ce grand écrivain de 15e siècle. Vous pouvez deviner c'est qui. Oui, vous avez des réponses? Oui, c'était Clément Marot, François Rabelais. François Rabelais, très bien. Merci, merci. C'est François Rabelais. C'est qui l'a écrit quelle œuvre? François Rabelais. Gargantua. Ok. Pierre de Ronsard. Non, pardon. C'est François Rabelais. C'est François de Rabelais. Merci. Maintenant, c'est à vous de trouver. J'ai donné des indices. Le premier mot, chien. Et vous avez le chien cybrite. Allez-y, trouvez, c'est quoi le mot? Oui, niche. Merci, Kalyani, c'est niche. Allez, vert. Imaginez quelque chose dans son sommeil. C'est quoi? Oui, rêver. Merci, merci beaucoup. Hein. Admis, c'est un jour de la semaine. Samedi, merci, merci beaucoup, merci, merci professeur. Aimé, c'est un prénom, c'est très facile, un prénom très commun en France. Marie, oui, merci. Nage, intermédiaire divin. Ange, oui. Pour pouvoir regarder un tout petit objet. Oui, loup. Atelier, ce qui est réel. Merci, merci, professeur. Atelier, c'est ce qui est réel. Réalité, merci, très bien. Aspirine, les habitants d'une ville. Parisien, très bien. Angleterre, qui est dans notre pays. Étrangère, très bien. Voilà les réponses. Merci, professeur, pour votre enthousiasme. Maintenant, on va jouer
un autre jeu, totogramme. Totogramme, ça vient du mot grec. Toto, ça veut dire le même. Gramme, ça veut dire la lettre. Alors, la totogramme est une phrase constituée de mots commençant par la même lettre. Exemple, jolie Juliette, jardinée, joyeuse. Madame. Oui. L'écran n'est pas clair. Quelqu'un... Ou quelqu'un a présenté? Oui. Vous voyez mon écran? Il faut que je... Encore non. Pas encore. Pardon. Non, pas encore. Je vais recommencer, pardon. Oui, madame. Oui, maintenant ça commence, madame. Merci. C'est clair? Yes, madame. Oui, oui, madame. Si vous pouvez agrandir l'écran, madame. Et comme ça, c'est clair. C'est clair maintenant, pardon. Oui, maintenant, c'est clair. Alors, oui, on a... Oui, c'est clair. On a le totogramme. Le totogramme, c'est une phrase constituée de mots commençant par la même lettre, comme j'ai dit. Exemple, jolie Juliette jardinée joyeusement jeudi. Alors, la phrase, tous les mots doivent commencer par la même lettre. Alors, à vous maintenant, totogramme avec le mot L, C et S. Essayez de trouver une phrase qui commence avec L, avec deux ou trois mots, et avec C, deux ou trois mots, et S, deux ou trois mots. Allez-y. Je vous ai donné quelques exemples aussi. Non, il y a, ça doit être une phrase complète avec deux ou trois mots. Comme je vous ai donné, le lapin lit le livre. Une phrase complète avec deux ou trois mots. Wow. Marianne, le lion lave lèche avec les lèvres. Cette chemise coûte cher. Très bien. T'attends-t-on le tonton? Mon père prend pain au chocolat. Au chocolat, mon père prend. Le chat cherche le chien. Le chien. Le chat. Wow. C'est très bien. Merci. Ses sœurs sont stupides. Monsieur mange une mangue. Une. Sa sœur sourit. Oui, très bien. Sa sœur sourit. C'est très bien. Trois mots dans une phrase complète. Très bien. Ses sœurs sont sensibles. Merci, merci. Merci, professeur. Je passe. Alors, vous avez les lipogrammes maintenant. Ça vient, le mot vient du mot grec. Lipa, ça veut dire enlever et laisser. Et gramma, ça veut dire lettre. Le lipogramme est un texte ou une phrase où il est interdit d'utiliser certaines lettres. D'accord? C'est très intéressant parce qu'il y a un roman complet de Georges Perec, sans E. Il a écrit un roman complet sans E. Maintenant, c'est à vous. Trouvez
trouver les boissons sont un. Les fruits et les légumes sont un. Je vous ai donné quelques exemples. Vous pouvez trouver les autres. Les boissons sans le mot. C'est difficile hein, de trouver les mots sans les voyelles. A, E, I, O. C'est très difficile. Hein. Il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Quand vous donnez à vos étudiants ce jeu, ça vraiment aide la réflexion des étudiants. Joue. Oui. Joue, c'est là. Les autres? Oignon. Très bien. Raisin, oui. Poivron, lit. J'ai demandé les boissons et les fruits et les légumes, madame. Ananas, oui. Avocat, oui. Banane, on a... Ah. Ouais. Chou. Très bien. Merci. On peut leur demander de faire une phrase avec l'hippogramme. L'hippogramme en A, par exemple, sans A, pardon. Bonjour, comment vous nommez-vous? Si on demande, vous vous appelez comment, on a sûrement le mot, la lettre A. Alors, il faut demander de faire une phrase sans la lettre A. Alors, vous avez bonjour, comment vous nommez-vous? L'hippogramme sans O, vous avez la banane à la... Non, pardon. Vous pouvez demander vous pouvez leur demander de faire une phrase sans la lettre O. Et puis, vous pouvez trouver les... parler d'un fruit sans utiliser I, S et P. Je vous ai donné un exemple. La banane a la couleur jaune et donne de la force. Et puis, voici un lipogramme sans la lettre E. Vous avez O et A. Sans la lettre E, O et A, tu dis zut. D'accord? Il me dit de rester zut, ok. C'est quoi votre nom? Oui, je lis le livre. Très bien. Très bien. Maintenant, on passe à un autre jeu. Vous avez logogriffe. Ce mot vient du mot grec. Logo, ça veut dire parole. Griffo, ça veut dire énigme. Alors, on donne des mots et puis on va leur demander de couper ce mot en mots de deux lettres, de trois lettres, de quatre lettres, de cinq lettres, six lettres, comme vous voulez. D'accord? Alors, et quand ils trouvent les mots, ce sont des mots qui ont un sens. OK? Alors, demandez-leur de faire un mot, donnez-leur un mot, et puis demandez-leur de faire... couper ces mots en mots de deux lettres, trois, quatre, cinq, c'est à vous de décider. D'accord? J'ai donné, par exemple, ce mot fraise, et puis j'ai coupé en mots de deux lettres, trois lettres, etc. Maintenant, c'est à vous. Allez-y. Écriture. Écrit, oui. Quatre lettres. Ri, oui. Très bien. Et écrite, très bien. Est-ce que vous pouvez me trouver un mot de huit lettres? Éricure, oui. Rue, oui. Récipir, oui. Q,
crier, oui. Non, cartable, non. Réciter, oui. Tuer, oui. Tirer, oui. Récit, oui. Titre, oui. Recette, je pense qu'il y a deux C. Crier, oui. Quelqu'un m'a trouvé un mot de 8 lettres. D'accord. On va voir. Jusqu'à 7. Merci, merci. Merci les professeurs. Vous avez tu, te, re, de lettres, de mots. Ri, cri, tu, cru, ru. Rire, sir, rit, truc, tir, turc. Écrit, tuer, crier, tirer. Vous m'avez donné. De, oui, retire, oui, critère. D'accord? Jusqu'à 7 mots, on peut aller. Oui, acrostiche. Hier, Madame Adeline, elle a fait acrostiche. Alors, moi aussi, je fais des acrostiches avec des prénoms. On va voir. Acrostiche vient du mot grec. Acros, ça veut dire haut ou élevé. Stiko, ça veut dire le verre. Alors, c'est comme un poème. C'est un poème dans lequel les initiales de chaque vers composent un mot ou une phrase. Vous pouvez faire un poème, vous pouvez écrire un poème avec les mots. Mais pour les débutants, je pense que c'est facile de demander, d'écrire. Après avoir fait les adjectifs, vous pouvez leur demander de faire avec ces prénoms. C'est très intéressant et ils aiment beaucoup de penser avec ces prénoms. C'est très intéressant pour les petits. Alors, j'ai donné Cécile, curieuse, éblouissante, calme, imaginative, libre, élégante. Est-ce que quelqu'un m'a donné des acrostiches avec vos prénoms? Allez-y, tout de suite. Avec vos prénoms, écrire un adjectif. Activez votre micro, s'il vous plaît, et pouvez lire aux participants. C'est facile d'écrire, de donner des adjectifs pour nous. Hein. Madame, est-ce que je peux dire mon nom? Oui, s'il vous plaît. Ok, je m'appelle Sarah. Ok. Je suis professeure dans les Émirats Arabes Unis en Fujairah. Mon nom commence avec la lettre S, S, okay. Sage. Okay. A, aimable, okay. R, réalisable, un autre mm-hmm. R, riante, mm-hmm. et la dernière est aimable. Wow! Bravo! Merci Sarah, merci beaucoup. Hein. Quelqu'un d'autre? Merci madame. Oui, madame, je m'appelle Jayshree, mais tout le monde appelle moi Jay. Ok. Et comme je suis avec je suis très juste, okay. avec A, je suis très active, et avec I, je suis très intelligent. D'accord. Merci, merci, Jay. Très bien. Et quelqu'un d'autre? Avec votre prénom, s'il vous plaît. Oui, madame? Oui. Allez-y.
Oui, je m'appelle Amal. Je travaille dans l'école FIPS DPS au Koweït. Ok. Ok, mon prénom Alumé, M maigre, A adorable, L lente. D'accord. Wow, peut-être merci. Cet adjectif pas pour moi, mais c'est juste des adjectifs. Ce sont ah, juste merci. Des adjectifs. D'accord. Merci beaucoup. De rien, merci. Merci. Bonjour madame. Bonjour, oui. Allez-y. Bonjour madame, je m'appelle mademoiselle Abir, A-B-I-R, professeure de français en Abu Dhabi. Alors, la première lettre de mon nom, c'est A, active, P, belle, I, impeccable, R, rapide. Merci. Très bien. Hein? Merci. Il y a beaucoup de profs qui, Sarah, Vidya... oui, madame, allez-y. Yeah. Mon prénom est Rajani. Réfléchi, ravissant. Wow. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, madame. Sahar. Allez-y. Oui, je m'appelle Sahar. Oui. S-A-H-A-R. S for sensible, A aimable, H heureuse. A, attentive, R, raisonnable. Wow, merci. Très bien, très positif, optimiste. Vous êtes optimiste. Merci Sarah. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Mehdi et j'étais votre ancien élève. Oui, Mehdi. Bon, je me souviens très alors, bien. M, allez-y. Okay. M pour merveilleuse. E pour enseignant. Pour honnête, doré et okay. intelligent. Très bien, Mehdi, bravo. Merci. Je vois Hervé aussi hein, et je vois Madame Antoinette aussi. D'accord. Bonjour, Madame. Bonjour, oui. Alors, je m'appelle Omaïma. Je suis enseignante de français à Sainte Mary School Fujairah. Enchantée. Enchantée, Madame. Alors, O pour audace, M mignonne, A adorable, I impeccable, M merveilleuse, et A attentive. Wow, merci. Merci très vous. Bien. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je m'appelle Fatima. Okay. F fidèle. Fidèle. Fidèle, A, amicable. Amicable. Timide, intelligent, ouais. Aimable. Merci professeur, vous êtes tous optimistes, hein? Très bien, merci beaucoup. Hein. Je passe ensuite au mot valise. Alors, le mot valise est très facile et très intéressant aussi. Alors, qu'est-ce que c'est le mot valise? Choisissez deux mots. Le premier mot doit posséder au moins deux syllabes. Le deuxième doit commencer par le même son que celui qui finit par le premier. Alors, comme les parapluie, lieu parapluie. Définition, c'est une ombrelle constituée de peau tachetée. D'accord? Et puis français et anglais, ça devient franglais. Comme en anglais, on dit, je pense que vous tous connaissez brunch en anglais. C'est quoi brunch? C'est lunch plus breakfast. C'est brunch. C'est comme français et anglais, ça devient franglais. Information automatique, ça devient informatique. Et net plus étiquette, c'est devenu netiquette. Oui, allez-y, vous avez beaucoup plus de mots valise. Alors, est-ce que vous pouvez trouver les mots valises, l'explication, la définition pour les mots que je vous ai donnés ici? Allez-y. Afropien. Quelqu'un peut activer votre micro et puis deviner ce qui est afropien. Oui, bonjour. Bonjour. Quelqu'un qui vient d'Afrique et d'Europe? Oui.
Il y a une autre personne qui parle. Pardon. Ah, oui. Quelqu'un qui vient d'Afrique et Europe. Qui vit en Europe, oui. Oui, très bien. Oui. Bonjour, madame. Allez, comment? Madame, il y a beaucoup de bruit. Oui, je sais. Excusez-moi, madame. Bien. Allez, comment? C'est un aliment. Aliment, oui. Pour prendre comme un médicament aussi. Très bien. Aliment, c'est aliment plus médicament. Très bien. Calligramme. Merci. Calligramme. Calligraphe plus anagramme. Calligraphe, oui. Anagramme, bien, gramme, lettre, oui. Très bien. Calligraphie plus lettre. Snobert. Non, personne. Snobert. Un indice peut-être, madame. Un indice. C'est un mot anglais, je peux dire. Madame, est-ce que c'est phone plus number? Phone plus number, non. Bonjour, madame. Est-ce que c'est phone plus snobert? Oui, snob. Oui, phone. Snob. Phone plus snob. Oui. Plus snobert. Snobert. Ça veut dire si. Le phone. Phone. Sonner. Non. Madame, est-ce que c'est phobia pour les nombres? Non. Elle est correcte. Snobert, ça veut dire une personne qui nous... c'est une personne... comment dire? Je peux expliquer en anglais? C'est plus facile. Oui, madame, c'est mieux en anglais. Snob, oui. Vous connaissez tous snob. Qui est snob? C'est qui un snob? Someone who thinks highly of himself. Very good. Someone who thinks highly of himself. So a person who snobs... A person who just snobs you on the... over the phone is a snobber. Okay. A person who just snobs you on the phone is a snobber. Courriel. Bonjour, madame. Courrier oui. Plus mail. Oui, courrier plus électronique. Mail. Oh, yeah. Oui, courrier électronique. Oui, courrier plus électronique. Oui. Courrier, ça veut dire lettre. Courrier plus lettre. Désolée, madame. En cours, mémoriel. Non, cours qui est très bien. Ah, d'accord. Cours mercuriel, ça veut dire? En cours, ça marche très bien. D'accord, ok. On pense très, très bien, c'est comme ça. D'accord. Merci, hein, merci. J'apprends aussi. Hein. Proème, vous avez proème. Est-ce que c'est prose et poème? Prose et poème, très bien. Prose et poème. Prose et poème. Ludothèque. Ludique plus bibliothèque?
Oui, ludique plus bibliothèque. Les jeux, vous avez jeux, les jeux, les bibliothèques où on a les jeux, que les jeux. Oui. Oui. Merci, merci beaucoup. Hein. Alors, merci, merci de votre attention. Alors, j'ai juste, je voulais vous dire, donner à l'apprenant les moyens d'être maître de son apprentissage. Alors, ça ne signifie pas de diminuer la place ou l'importance de l'enseignement de langue bien, mais c'est au contraire. Si c'est juste pour leur encourager qu'il faut utiliser les langues médiatrices. Ça peut être l'anglais ou ça peut être la langue maternelle. On ne va pas dire que c'est pas bon d'utiliser l'anglais ou la langue maternelle en classe française. C'est juste pour encourager les étudiants. Merci, merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez me demander, s'il vous plaît. Madame, je suis Vidya de l'école indienne de Muscat. Je voudrais dire merci beaucoup pour la séance et pour les idées. Mais je voudrais dire que dans notre école, pour motiver les élèves, les apprenants, nous avons une fois par deux ans une exposition en français. Mais aussi chaque année, nous avons un concours de chansons françaises. Et ça commence jusqu'à la cinquième classe. Dès la cinquième classe jusqu'à la dixième classe. Et c'est un concours entre les sections de la même classe et nous avons pour juger les personnels qui viennent du centre franco-manais ou bien de l'ambassade de France. Et une fois ou bien deux fois, il y avait l'ambassadeur de France qui est venu aussi pour écouter les chansons. Donc, nous faisons les activités comme ça pour motiver nos élèves. Nous enseignons, nous élèves, oui. Très bien. Je voudrais dire ça, oui. Donc, merci. Merci, merci. Oui, je veux partager la présentation avec Keba, monsieur. D'accord. Merci, madame. C'était très, très intéressant pour apprendre les activités pratiques en classe de flore. Merci, merci, Keba. Bien sûr, vous en pratiquez dans notre enseignement. Merci, merci, Keba. Très bien. Maintenant, on va continuer avec la deuxième séance avec Madame Maria sur le titre Bookmaker. Oui, Madame Maria. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ce soir, je vais présenter comment créer un petit livre électronique avec Book Creator. Ce n'est pas Bookmaker, c'est Book Creator. Dans sa version Chrome, un navigateur, c'est la version web de Book Creator qui est bien très pratique. Donc, on peut créer, lire et aussi publier des livres avec Book Creator à partir de n'importe quel appareil, que ce soit une tablette, un iPad, un ordinateur, Mac, etc., etc. Donc, il suffit d'avoir un navigateur Chrome installé. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est un Book Creator? Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran, tout le monde? Non. Pas encore, madame. Pas encore, madame. Je recommence.
Vous voyez? Oui, madame. Vous voyez maintenant tout le monde? C'est clair? Non. Oui. Oui, madame. Oui, madame. C'est clair. Oui, madame. Donc, oui, madame. C'est, le, c'est une application, c'est le Book Creator. Donc, qu'est-ce que c'est Book Creator? C'est une application qui permet de créer en quelques minutes un livre électronique en ligne. C'est un outil très simple d'utilisation permettant de combiner du texte, des images, du son et même de la vidéo directement sur la page. Son utilisation pédagogique, pourquoi on peut l'utiliser dans une classe du CLE? Elle permet aux élèves, bien des étudiants, de fabriquer ou bien de créer des livres électroniques mêlant texte, audio, photo et même vidéo, répondant à une commande de l'enseignant. Et aussi fabrication par l'enseignant même, ses leçons ou des livres individuels ou bien collectifs que les élèves peuvent regarder et écouter à loisir qui aident l'apprentissage du langage. Quels sont les avantages de cette application? Cette application permet de facilement accéder à la caméra et prendre une photo sur le champ et même une audio. Pas seulement une photo, mais aussi un vidéo sur le champ pour votre livre. Vous pouvez aussi naviguer sur le web pour choisir des images. Vous pouvez enregistrer votre propre voix afin de soutenir le texte que vous avez écrit. Et les livres électroniques créés peuvent être partagés par courriel ou par Google Drive. Vous pouvez aussi publier vos livres en ligne. Et on va voir comment on peut le faire. Cette application est disponible sur différents appareils et sur divers systèmes d'application. Enfin, il est possible pour tout le monde, même pour les étudiants jeunes, de publier en ligne des livres créés avec Book Creator. On passe maintenant, j'ouvre le navigateur Chrome et je tape bookcreator.com. Voilà, il faut créer un compte enseignant. Il y a aussi un compte pour les étudiants. Et ici, j'ai déjà créé un compte, donc je tape tout simplement sur « Sign in ». C'est comment se présente l'écran de BrickBook Creator. Ici, c'est un livre que j'ai déjà créé, c'est seulement la couverture d'un livre que j'ai créé. Je vais montrer comment créer un livre, mais avant de le faire, je vais d'abord présenter les icônes qui se trouvent en haut à droite de l'écran. Vous voyez mon écran? Tout le monde voyait? Vous voyez l'écran? Oui, madame. Vous voyez, place New Book, c'est pour créer un nouveau livre. Donc, appuyez sur le nouveau livre, New Book.
vous voyez des formats, choisissez un format portrait en touchant portrait, portrait, square, carré ou bien landscape, paysage. Mais si vous envisagez de combiner plusieurs livres, par exemple, imaginez, vous demandez chaque étudiant de fabriquer un livre sur n'importe quel thème, par exemple la vie quotidienne, mon loisir, mes vacances, etc. À ce moment-là, il est préférable de donner pour consigne aux élèves d'adopter le même format, pas différent. D'accord? Oui. On continue. On choisit square, carré. D'accord. La page que vous voyez sur l'écran, c'est la couverture, its cover, de votre livre. La couverture et les pages de votre livre fonctionnent de la même manière, mais la différence réside dans leur apparence. La couverture est une page, tandis que les pages sont doubles. Il y a deux pages dans les pages. Donc, une fois le format est choisi, la création peut commencer. Donc, on va commencer la création. Now, qu'est-ce que c'est la création? C'est-à-dire, il faut ajouter, la page c'est vide maintenant, donc il faut ajouter des contenus sur cette couverture. Et pour faire ça, différents outils sont mis à votre disposition grâce au bouton plus et I. Plus et I. Et cette icône I, on va voir pendant la création de notre livre. Et l'autre, c'est pour lire votre livre. Maintenant, touchez le bouton « plus » et choisissez l'élément à ajouter. Il y a plusieurs éléments, vous voyez, il y a plusieurs éléments là-bas. « Import », c'est pour ajouter des images et même des vidéos. « Caméra », « Appareil photo », pour ajouter une photo et aussi une vidéo, mais prise sur le champ. Pen, stylo, pour dessiner ou bien pour écrire avec le stylo. Et texte, pour ajouter un texte. Et record, c'est pour insérer un son, un enregistrement. Par exemple, un commentaire ou bien même un morceau de musique, etc. Donc, il y a des icônes même sous le livre. Un moment. Il y a des icônes sur le livre aussi. D'accord. Oui. Il y a des icônes sur le livre ici. J'ai créé. Oui, vous voyez des icônes, trois icônes. Il y a trois icônes là-bas, sous le livre. Un commentaire. Donc, les icônes sous le livre permettent d'obtenir des informations sur le livre affiché, de supprimer le livre et de définir les options de partage du livre. Cliquez sur la première icône. Import book, move to library. Il y a une bibliothèque dans Book Creator où vous pouvez transmettre tous vos livres fabriqués. Et copybook, pour créer une copie, du livre sélectionné. Okay. Et puis combine books pour rassembler plusieurs livres sur un même thème. Okay. Et la dernière, c'est Delete Book, c'est pour supprimer le livre sélectionné. Par exemple, il y a plusieurs livres que j'ai créés, donc si je veux je ne vois pas ce livre, donc je veux supprimer.
Oui, d'accord. Je vais montrer la bibliothèque ici dans le Book Creator. Oui, il y a, là, il y a des... Ça, c'est la bibliothèque. Il y a déjà deux livres que j'ai créés et j'ai transmis dans le dans la bibliothèque de Book Creator. Bon, d'accord. So, ce sont les icônes qui se trouvent sur Book Creator. Oui. Le deuxième, c'est le partage. Une fois votre livre est prêt, vous pouvez le publier en ligne. Il y a des options. Vous pouvez le publier en ligne sur bookcreator.com. Vous obtiendrez un lien privé que vous pouvez partager ou bien transmettre à qui vous voulez. La deuxième option, c'est vous pouvez aussi le télécharger en format EPUB. Et aussi le dernier, c'est vous pouvez aussi imprimer votre livre. La dernière icône, c'est vous pouvez lire votre livre, le livre que vous avez créé. Donc, maintenant, on commence la création. Oui. Touchez le bouton plus et choisissez l'élément. D'abord, je vais insérer un texte dans mon page, dans la couverture. Donc, je clique sur texte. Oui, je tape le texte ici. Ou au lieu de taper, je peux aussi choisir l'option voice typing ici. Mais avant de le faire, il faut choisir la langue dans laquelle vous souhaitez votre texte ce soir. Donc, j'ai déjà choisi la langue française. Donc, vous pouvez voir ça. Oui. Donc, annuler ça. La vie quotidienne. Okay. Done. Voilà. Le texte est là. Oui. Pour positionner l'élément, touchez-le et déplacez-le sur l'écran où vous voulez. On peut aussi redimensionner l'élément, c'est-à-dire agrandir ou réduire sa taille. Un moment. Oui. Donc, ici, on peut utiliser l'icône I. Si vous voulez les lettres en gras, vous pouvez le faire. Oui. Augmenter. Ouais. Et aussi changer les couleurs de votre titre rouge et aussi donner une couleur à l'arrière-plan de votre titre. Appuyez sur background. Si vous voulez une page colorée au lieu de page blanche, vous pouvez aussi le faire ça. Cliquez sur la plage et ici, vous pouvez donner la couleur. Oui? C'est fait. Donc, le deuxième élément que je vais utiliser, c'est insérer une image. Il y a des options pour insérer des images. Vous pouvez naviguer directement sur le web et choisir l'image. Mais moi, j'ai déjà téléchargé quelques images et je les ai mis dans le dossier. Donc, je vais Files. Je choisis quotidienne.
ça prend du temps. Ouais. On peut le positionner et redimensionner l'image. C'est fait. D'accord. Je vais le mettre en bas. Et même en italique. Ouais, d'accord, c'est fait. Donc la couverture c'est prêt. Donc maintenant, on passe à la prochaine. C'est créer des pages pour le livre. Cette page est divisée en deux, c'est la page 2 et 3. Donc, de la même façon, maintenant, je vais insérer une vidéo. Donc, Import. Pour insérer une vidéo, appuyez sur l'option Embed. Donc, pour ça aussi, j'ai déjà copié le lien. Je vais copier le lien et juste coller là-bas. D'accord. Vous voyez mon écran? Ouais, je vais coller ici et ajouter sur la page. Ajouter. Donc, c'est deux pages. Donc, je redimensionne l'élément, la vidéo, et je le déplace ici. Ouais. La troisième page, vidéo, vous voyez la vidéo? On va essayer ça. Ça prend du temps, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais le matin? Je baille le matin quand je me réveille. Je baille le matin quand je me réveille. Je lave le visage. Je brosse les dents. C'est ce que je fais le matin quand je me réveille. Je petit déjeune le matin, miam miam miam. Je petit déjeune le matin, miam miam miam. Je mets ma tenue d'écolier, je monte dans le bus. C'est ce que je fais le matin quand je me réveille. Je baille le matin quand je me réveille.
je baille le matin quand je me réveille. Je lave le visage. Je brosse les dents. C'est ce que je fais le matin quand je me réveille. Maintenant, la troisième page, de la même façon, on va remplir la page prochaine avec quelques images et aussi on va insérer du son dans la troisième image. Donc, je vais ajouter un texte maintenant. Je tape. Je me lève. En haut. Ouais. Maintenant, je vais insérer un son. Start recording. Okay. Je vais enregistrer maintenant. Je me lève à 6 heures. Use recording. Tapez sur use recording. Vous pouvez insérer le son même sur l'image. Maintenant, on va essayer. Je me lève à 6 heures. Et c'est clair? Vous écoutez? Donc, oui. Oui, madame. Donc, de la même façon, on va remplir la deuxième page. OK? Image. Vous pouvez utiliser aussi le stylo.
et vous pouvez insérer le son aussi. Comme ça, on peut remplir les autres pages aussi. Okay? D'accord, c'est fini maintenant. Mais on va lire cette livre. C'est la couverture. Deuxième et la troisième page. Comme ça. Il faut, si vous voulez ajouter des pages, vous pouvez taper, vous pouvez appuyer sur le plus là-bas. Donc, d'après moi, c'est un très bon outil pour faire imaginer les étudiants et aussi faire fleurir la créativité chez eux. Donc, je vous encourage d'utiliser cette application dans votre classe. Merci. Merci, madame. C'est très nouveau pour apprendre. J'espère que cet outil numérique, Digital Book Creator, qui serait motivé les élèves pour faire les activités sur la ligne. Maintenant, on va continuer avec la dernière séance de jour avec Monsieur Isaac sur le titre Extensions for Teaching Languages. Bonsoir à tous. Voilà, je vais vous. Est-ce que vous pouvez voir mon présentation? Ah oui, monsieur. Oui, merci. Donc, voilà, je vais parler à propos de Chrome Extensions. Chrome, je pense que vous connaissez déjà, mais c'est quoi un extension? C'est plutôt un petit logiciel, un programme qui personnalise notre expérience sur le navigateur du web. Donc, comment on peut personnaliser notre navigateur Chrome? Parce qu'on utilise plusieurs dans ici, on utilise plutôt Chrome pour toutes les fonctions. Donc voilà, c'est un Chrome Web Store. Il faut aller sur Chrome Web Store. Sinon, vous pouvez taper chrome.google.com et ça va ouvrir comme ça. Et là, voilà, vous avez des extension. OK. La première extension je vais parler, c'est ça s'appelle Toby. Voilà. C'est quoi? C'est comme un productivity extension. OK. C'est on peut personnaliser, c'est comme un Padlet. It is like a Padlet where you can put all your websites, all your informations, anything over here. And you can also share it by creating a link to the students. So I have created a Padlet over here for this particular presentation. The next extension which I'm going, so how do you install an extension? That's what I'm going to teach you now. Say, vous cherchez, okay, moi je vais
installer Immersive Reader. Vous pouvez aller sur le Chrome Web Store. Tapez Immersive Reader et là, c'est voilà. Vous pouvez cliquer sur Add to Chrome and Add Extension. Voilà. So, qu'est-ce que c'est cette Immersive Reader? Ok, voilà. Moi, je suis sur le site Un jour, un actu. Et voilà, il y a un article et je vais enseigner cet article aux enfants. Et par mot plutôt, et moi je vais expliquer c'est quoi le nom, c'est quoi le verbe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne et puis I right click and I click help me read this. Et ça va ouvrir sur le site, ça va changer complètement sur le Immersive Reader. OK, so what are the functions of Immersive Reader? First of all, it helps you to read. C'est qui, le petit prince? C'est le héros et le titre d'un conte écrit par Antoine de Saint-Exupéry, un grand écrivain français. Yeah, so it helps you to read as well as like... you can increase or decrease the speed also so that the students can get a reading practice. For example, if I'm decreasing this français publié en 1943 so if you're like if you want the students to read some paragraph or even some little exercise giving overall topics, this is a very useful app. And what are the other functions? See, this text is to cluster, so what I can do is like I can increase the spacing, and since it's small I can increase the text font size also. If I want, I can go to a dark version or any colorful version, that's possible. The next option is over here where I can focus on line. So line by line, if you're giving a comprehension overall, like if you're giving a text and like if you're making the students to listen. Le Petit Prince est encore aujourd'hui l'un des livres les plus lus dans le monde, traduit dans plus de 200 langues. Okay, so like that, you can read it as one line, three line, or five lines. If you don't want line focus, you can click over here to stop it. And there is a grammar function. So this is what I'm always talking about. You can change the colors of the parts of the speech. For example, if I want my student to if I want my students to find the nouns over here. So what I can do is I can go click noun over here. So all the tous les noms sont marqués. Et le verbe, find the verb. So here are the verbs. You can identify the verbs or an adjective. If you don't like this color, you can change it to any other color. Okay, and adverbs. And the last function of this particular thing is, there is one more function which I forgot to say. This is the picture dictionary. Like what is a picture dictionary? For example, if I want to know the meaning of this particular thing, there is a picture dictionary with the pronunciation. Prince. Okay. And the last function is syllable. So if I want my student to pronounce it correctly, what I can do is I can give this particular syllable. And, c'est le héros et le titre d'un conte écrit par Antoine de Saint-Exupéry, un grand écrivain français, publié en... So this is one extension which is very, very useful for when you are going online teaching. The next extension which I'm going to talk to you, it's about the picture in picture. Like, here you see I have a video over here
which is already like the same context, but like I want my students to look at the video as well as to read it. So what I can do is I can go for this particular picture in picture, add it, and come back to the browser page, click on, this is where all your extension will be. Okay, so this will become as a picture in picture. You can maximize it or like you can extend whatever size you want. It can work in any browser also. Le Petit Prince est encore okay. aujourd'hui l'un des livres les plus lus dans le monde. Traduit. Now, the next extension, so this is called as a picture-in-picture extension. The next extension which I'm going to talk to you about is transpose page loop. You have to search for this particular thing and same, like you have to install it. So what is this extension is like? Sometimes you'll be playing a video and but the students they will not be able to listen. Might be there will be a problem with the video itself where the audio is like very low. So what you can do is like you can go to this transposer. Sorry. Yeah. So what you can do with this transpose is you can loop the videos, okay? You can increase the speed of the video or decrease. For example, here there is a. Dans plus de 200 langues et vendu à 150 millions d'exemplaires. Oh. Mais pourquoi le Petit Prince est si célèbre? So I'm reducing the speed of the text so that the students can listen clearly. Enfant et right? adulte. You can increase the pitch un petit garçon also. Qui vit seul sur une planète lointaine. Yeah. Now, the next app is called as a volume app. Here you can see the volume is way too low. So what I do is like I go to this particular volume master. You can search for volume master app. And I'm increasing the volume over here. So, going back to the text, I'm playing it. Amoureux d'une rose très capricieuse, il part en voyage sur d'autres planètes à la recherche d'amis. It increases. Il croise différents personnages. It will be easy if you can see it in the. Ooh, adapted mind math. Come. Explore the site with me. I'm in first grade, so I'll pick that. Neato! A fun fishing adventure. You can increase Fish. Or decrease. You can increase or decrease the sound of this particular any or video file or an audio file. This is the app which is very useful for all the professors. Okay, let's go to the presentation. Now, so we saw these four apps where the transpose picture in picture and the Toby as well as the volume master to increase the volume so that the students can clearly understand what it has been shown in a video or an audio file which is played in online classes. So there is another app called Loom. I believe most of you know about what Loom is. Loom is kind of a video recording extension. You just have to like install this extension and you can record online classes or you can create your own classes by recording with your face or only the screen alone. Next is Podcast. The Podcast app is like an MP3 or a radio extension. You can play online radios. There is this app extension, it's called Voice Typing. You can give some phrases to the students and you can ask the students to say, repeat it. And let
the browser types for you in a Word document so that you can check whether the person is like, it's for the reading practice or their oral skills. Next is like two screens. Most of us like always, we have to type questions or when you're preparing a question paper, we used to search for exercises, which is in another browser, right? For MacBook, we got a magnet app for, but like for Windows, you have to search for it. So, but this comes as an extension, which is very useful called ULS, where you can put two screens side by side or three screens also, and you can work, okay, in two screens. The next one is called highlighting text. This is where when you're teaching, when you're like for when you're presenting a Word document or a PDF and you're teaching them a paragraph or an essay or a short story, what you can do is you can highlight it, okay, and you can mark it and you can research it with the meanings and everything. You can add these words in separate collection also. Next is Cami. I believe most of you know about this particular thing. It's a learning remotely is made easier for students with Cami and our integration with Google Classroom. Here's how you can get started. First, get the Cami extension from the Chrome Web Store. After adding this, you'll notice the Cami icon in your toolbar. Click on it to head straight to our app or go to web.camiapp.com. If it's your first time using Cami, make sure to sign in using your school Google account. Once you've done that, go to Google Classroom and open the assignment that you want to work on. When you preview the assignment, click the Open with Cami button at the top. Doing that will bring your assignment to the wonderful world of Cami, where you can use a range of tools to complete your work. Highlight and mark up important sections. Explain your thinking process with text, voice, or video comments. Show your creative side with the free hand drawing tool, a great way to illustrate your findings, add color to your document, and much more. When you're finished, simply click the turn in button at the top, then bam, you're all done. From here, your teacher will grade your work, which you can see in real time. Go to our website for more tips and tricks. So the this Cami app is used both, it is useful for both the teachers as well as for the professors, I mean students. Where the students can present the live assignments and the teachers also can correct it online, live, during the class hours. Next is Grammarly. I believe you know, most of you know Grammarly, where you can, if a student is presenting or sending a PDF or sending a text in a Word document or in a PDF, you can open it in Chrome browser by installing this Grammarly. What you can do is like, it corrects all the mistakes automatically and it highlights it. Next is a full page screen capture. This is a very useful extension where you will come across some pages, but you will not be able to capture a particular, take a screenshot of the particular website. But this one, what it does is it captures the full page, even though it goes like if you scroll down for numerous times also, this screen, it captures a beautiful image file of that full website in 7,000 pixels. That is like, it has a very good clarity. So you will get a very clear picture of the website itself. Next up, we'll see what are the extensions that can be used with the Google Meet, because most of us using Google Meet as an LMS tool, video conferencing tool. So this is Yugo. You don't have to type calendar.google.com every time. With this particular extension, you just click on Yugo, that extension icon. It automatically opens your Google Calendar. And there you can store everything. You can write an agenda, you can write a note to the students,
or you can set up Google Meet, okay? And everything will be like same. It's a very useful app to have to fix a meeting. Next is the background. Most of us, we feel we adjust ourselves, we sit in a very good place. But sometimes what happens is like we'll not be able to get that particular kind of space. So we'll be in search of where we can sit. You don't have to worry about it because you got this app called Visual Effects where you can blur your background. That is like your background wherever you sit, even if it's like in a, if it's outside, you can blur your background. And sometimes you can also have a virtual green screen where it will be a complete green screen for you so that the students will not be able to see what is happening behind. It will be kind of complete green screen. The next is marking attendance. We take attendance in the class hours in colleges and schools, but here in Google Meet, we don't know who's coming in and who's coming in and who's not coming. So what you can do is like you can install this extension, click on it, and then when you click on people in your Google Meet, as soon as you click on people, it opens this checked tick box where you can click news sheet to have a new separate Google Sheet attendance because it marks the attendance for everyone present over here in the Google Meet. It creates a new spreadsheet also. And that way you will, that particular sheet will be stored in your drive, Google Drive. So it gets saved automatically. You don't have to worry about like taking attendance one by one. And you can also take it like every 10 minutes or 5 minutes. The last thing is the other important extensions for the teachers. It's like the first one is dark mode. Many of us, like we started to use the computer and we started to work on a computer for very long hours. And we are searching for a lot of notes online now because we have to create a lot of exercises right now, especially like game-based exercises. And what happens is like you will feel some like pain in your eyes and like it's irritating, right? It's like sitting in front of a computer, looking at the screen for many, many hours. So this app, Dark Reader, it helps you, it turns all the web pages, whatever you open, into a dark web page so that it doesn't strain your eye. Next is safe browsing. And as everyone is going online, like there is some privacy issues also. And DuckDuckGo web browser is the safest one. But this app, I believe many of you came across this Big Sur by Mac, Apple. They are going to introduce this and they are going to bring in various features in Safari browsing. That Safari experience, you'll find it over here because the same feature of rating those websites as well as telling you which website is safe to access, which is not safe to access, and what are the trackers are involved in every website. And if, for example, it sometimes says like there is a tracker involved so that you can be very careful to give your personal information, because trackers are the ones which gets your personal information, and the hackers use it, these kind of trackers, to hack into your system. So this is one app which saves you from the hacking hackers. Now, the internet speed. Yes, you can install this particular thing, and you can before the class or after the class you can check whether you got a perfect internet connection or internal signal. And then you can start, because sometimes what happens is like if your internet is low, you can think of like whether you can switch off your video or like going completely into audio mode of presenting so that you can save internet for online classes. Or else if internet's way too low, you will get like you will have to sign out multiple times in Google Meet and get in again.
Okay, the last app extension is called Extensity. So I have taught you many extensions. I have explained to you many extensions over here. I've shown you. So how do you manage it? You got this particular extension called Extensivity. So what it does is like here you see I got multiple extensions. What I can do is I can go click on this thing. What all the extensions I want right now, I can click so that it's on. If I don't want these extensions, I can switch it off so that it reduces the heavy burden in a browser so that you can browse super fast. So with this, merci. If there is any questions, you can. I'll be sending you. I'll send these links to Keba. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, participons. I have a question. Yeah. Downloading so many extensions on the on your Chrome, does it affect the efficiency of your of the working of the computer? Yes, if you download as many as extensions, it will affect your the speed of your browser. That's why I showed you this particular extension called Extensity at last, so that what you can do is like you can switch off that particular extension so that it is kind of in an offline mode. You don't have to use it. When you want to use it, that particular, for example, now I really don't want to use this volume master because I'm I'm not playing any videos. So what I can do is I can click over here to switch it off so that this goes. You can see it is gone. But if I want this particular thing, I can click, it will come over here. Yes. So you mean to say that Extensity, it controls the extension. So if I do not want to use it, I can just switch it off and that will not work. Okay. All right. Thank you so much. Thank you. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. I need your small help. We are currently at an exam. Maybe any supporting app is there? Maybe we are our school follow online that. Our school follow in the Go format. Yeah, online classes. Go format and Google form will follow that. Yeah. But so difficult to face that exam, maybe sometime already. Students only possible make a choose model, MCQ model only, not possible question answer, the letter, so difficult for them. So anything app supporting is there only? No, for exams, conducting online exams, we don't have an extension. It's always the apps where in your browser you can go click over here, the apps is there. Okay. Thank you, sir. Thank you, Isaac, sir, for your wonderful presentation. Yes, we indeed learned a lot, like a lot of Chrome extensions, how it can be used effectively, especially with the immersive reader and Dobby, Loom. Yes, thanks for your session, sir. Madam Abana, over to you, ma'am. Dear participants, I have sent the feedback form for both the sessions, for both the days. Kindly find it in the chat box and kindly fill the feedback forms and send back to us so that it will be helpful for us to give you the certificate, send you the e-certificate, sir. Professor Keba will be sending the e-certificates as soon as possible after you fill in the feedback forms. Your feedback forms, we really appreciate if you could send us because it helps us grow. Thank you so much. And I hope you have all enjoyed the sessions of Professor Maria Priya and Professor Isaac, and you're going home today with the great
memory and with a great experience. Thank you so much for your active participation. I really thank God first for giving us this opportunity to share our experiences with you. And good evening, sir. And it is it's a great honor for us, the Department of Foreign Languages, Loyola College, to have been invited by the Ambassador School Sharjah to give this FDP program for the Gulf Teachers Forum. My sincere thanks to Mr. Arogya Reddy, Principal Ambassador School Sharjah, for making this program, for allowing us to conduct this program. Thank you so much, sir. And sir, he even came up with a Google Meet to discuss how this program is going to go. So I really owe a lot to him. Thank you so much. I would also like to thank Ms. Shanti Venkatraman, Primary Head Ambassador School Sharjah, for facilitating this program. Thank you, ma'am. Thank you so much. And I would like to thank Mr. Shafi and Mr. Jaikar from the Gulf Teachers Forum. I think, and along with Keba, sir, all the three, I think we really owe you. Thank you so much for making this happen. And thank you for giving us this opportunity to share our experiences. Thank you. And my dear participants, thank you so much. Your love and affection and your active participation in all the the 2 days. It was really heartening to see that you actively participated. You asked a lot of questions. That's and sent us a lot of positive feedback. Thank you so much. Can I pass it on to Keba? Yes, Keba? Yes, ma'am. So thank you so much, ma'am. It was indeed a great opportunity for us too. We learned a lot in these 2 days, and for sure we would use it in our teaching practices. Teachers, like the feedback form has been put up in the chat box for 2 days, so please do fill it up. So we would send you the certificates, e-certificates, in 2 days' time. So thank you for your participations. We do hope for much more future webinars as such. So thank you, everyone, once again, to take part into this webinar. See.